Dans le monde d'Hunter x Hunter, le Nen est un système de pouvoir très complexe basé sur la manipulation de l'énergie vitale. Grâce à ce dernier, on a eu des scènes incroyables et notamment des combats légendaires. Devenu rapidement indispensable, primordial, c'est aujourd'hui une pièce maîtresse du manga. Cependant, bien qu'omniprésent, super important et carrément nécessaire, son originel elle est encore inconnue. Son développement était bien l'année, approfondi, mais sa base, sa création, pas du tout. On connaît beaucoup de choses, mais le début, le commencement, non. Dans cet énorme flou, il existe une théorie. Une théorie qui propose une connexion profonde entre l'origine Nen et les artefacts anciens disséminés un peu partout dans le monde. Ces derniers sur les gardiens, du Nen. Ces objets oubliés sont la clé de cette intrigue qui aura depuis la Tour Céleste. Recueillant l'histoire, ils auraient les réponses à nos questions, ils auraient ce que nous lecteurs et hunters recherchons depuis tout ce temps. Et c'est moi tout vous expliquer sur cette partie d'histoire oubliée, voire carrément censurée. Nen, combat, trésor caché, ancienne civilisation et plein d'autres choses. On va tout voir. Tu t'abonnes, tu mets ton like et on commence. Mais juste avant, on va revenir sur les bases du naine et ses liens avec ces artefacts anciens. Oui, petit rappel de ce que c'est un artefact ancien dans Hunter Hunter. Les derniers, comme les pères de vérité ou encore les pères de guidance, sont des objets mystérieux et ont une très longue histoire avec ce monde. Ils ont été découverts dans des lieux sacrés des ruines anciennes et d'autres sites d'une importance particulière avec une histoire spirituelle. Tous ces objets ont été créés par des civilisations anciennes qui avaient une compréhension avancée de l'énergie vitale et de son application. Ces civilisations auraient découvert la base du naine bien avant l'époque moderne. Ils avaient utilisé ce savoir pour façonner ces artefacts avec des propriétés liées au Nen. On peut avoir plusieurs dans le manga et l'anime, comme plus connu la sorte de Jar qui est vendue à Orshin qui ressemble bizarrement, étrangement Je à celle utilisée par Lord Kakin. J'en ai fait des vidéos sur le Nen à 4, 5, 6, mais c'est trop bien, vraiment ça me passionne. C'est pas simplement des objets décoratifs symboliques qui sont intrinsèquement liés au Nen et possèdent des propriétés qui ont fait cette connexion. Par exemple, les pierres de vérité agissent comme des catalyseurs, amplifiant la connexion d'une personne avec son propre Nen et lui permet de débloquer son potentiel caché. Les pierres de guidance, quant à elles, sont conçues pour aider à développer et maîtriser les capacités Nen, les fameux hatsu. Elles agissent comme des venteurs spirituels, offrant des petits conseils pour guider les utilisateurs dans la formation au NEN. Ces pierres les aident à comprendre les principes fondamentaux et à perfectionner leur technique, leur il en existe d'autres, et c'est clairement pas possible que un personnage ont nom de leur côté en cachette. Il n'est pas non plus impossible que des organisations en ont nom comme la mafia, les zodiaques, le clan de pariston, etc. etc. Je pense que vous avez compris, vous n'êtes pas cons, c'est ces derniers qui recueillent les premières traces de Nen et par conséquent qui ont réponse à nos questions. Voilà, ça c'est dit, maintenant on va parler des liens avec le Nen actuel et son futur dans l'œuvre. Comme vous le savez, le Nen est plus qu'important dans Hunter Hunter, il y a littéralement tout qui peut être Nen. Togashi a bien développé, incité dessus, à tapant qu'aujourd'hui il traverse la mort. C'est un sujet très important et d'actualité dans le manga avec certaines techniques, certains personnages dans le bateau. Quand je dis euh actuellement c'est en année Hunter, hunter donc euh, actuellement ça peut être 10 ans voilà en gros Fink s'en parle déjà au chapitre 120 il a dit que c'était des sentiments de peur de rancune de regret qui après la mort renforçaient le Nen ce dernier plus s'accrocher au monde réel le monde humain mais on est que la théorie on entendait des paroles par-ci par-là mais il n'y avait pas d'exemple concret maintenant on a la consécration et qui Kuro les bêtes de Nen bref le Nen ne disparaît pas forcément après la mort ça en dit très long sur ses origines le Nen c'est la vie il y a tout qui y a du nain faut juste développer et le voir et oui le nain était présenté le tout début du manga mais Togashi l'a juste introduit plus tard gunnet is à l'examen de hunter mais on a seulement pris conscience à la Tour Céleste. Qui Qu le connaissait vite fait le Nen, mais l'a vraiment découvert. La Tour Céleste, c'est la base des bases de notre univers. C'est grâce à lui que le monde fonctionne. Derrière le nain hein, c'est le meilleur système de pouvoir. Je vais en savoir. Là où je veux en venir, c'est que les premiers humains ont dû apprivoiser le nain avant de le transmettre. Le monde est né avec le nain mais les humains, eux, non pas du tout. Il a fallu apprendre à le comprendre et l'utiliser. Peu importe son utilisation, sa compréhension, le nain lui, ne change pas. Il bouge pas. Avec le temps, et les nombreuses expériences, ils sont arrivés à comprendre les bases et carrément à de l'aura dans des objets et lieux. Comment vous sentez-vous J'ignore comment le décrire. Je me sens comme si j'étais entouré par un fluide visqueux. Comme si je portais un vêtement ultra léger. La culture du naine s'est bien développée pour arriver juste ici, là où nous lecteurs, on le connaît. Aujourd'hui, il existe des maîtres de naine, des chercheurs, des types qui ont dédié leur vie à sa recherche. Comprendre le naine est vital pour comprendre le monde et là une question se pose. Pourquoi on a oublié certaines choses vis-à-vis -vis du naine C'est vrai après tout, si c'est si important, pourquoi on a perdu une partie du savoir et de cette science La réponse est simple, une perte d'héritage et de connaissances. Et oui, malgré l'importance des artefacts anciens, une grande partie du savoir du nain qui leur associé a été perdu oublié au fil du temps. Aujourd'hui, il plus personne n'en presque en parle et les connaissent. On a quelques vagues idées vocations. Mais c'est tout. Les civilisations qui les ont créées ont disparu, emportant avec elles une grande partie du savoir. De ce fait, malgré leur importance colossale et les précieuses informations qu'ils possèdent, bah ouais, ça a été euh, volontairement ignoré. C'est comme si Togashi voulait garder ça pour plus tard. En fait, ignorer, c'est pas le mot mot, car elles sont toujours là, toujours présents, et c'est même le pourquoi on a commencé Hunter Hunter. Tous les artefacts anciens restants, c'est des vestiges précieux de cette époque révolue, c'est en partie les fameux trésors qu'on voit dans l'intro, dans l'opening. Ces derniers sont cherchés par les chercheurs, les archéologues et les hunters, dans le but d'être étudiés. Des espèces rares, des richesses enfouies des trésors cachés. Comme expliqué, hein, la base du manga se base sur l'espoir de trouver les indices sur l'origine et la nature du Nen. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle de l'inconnu, et c'est exactement ce qu'on cherche à Hunter. L'inconnu suscite notre intérêt, notre curiosité, ça marche pour les personnages, mais aussi pour nous, lecteurs. Cette quête de redécouverte est cruciale pour comprendre les mystères du NEN et révéler les vérités cachées sur l'ancien monde et leur passé. Si Togashi a rien dit vis-à-vis -vis de ces dernières, c'est parce que c'est une des prochaines intrigues de son récit. Il a pris son manga à l'envers, au lieu d'expliquer les origines et les bases de son système, il a directement dans l'exploitation de ce dernier. Là où dans les autres shonen, on t'explique d'abord le pourquoi du comment pour ensuite développer. Le système, ici non. Tout été créé, mais Togashi voulait d'abord l'utiliser avant l'expliquer. C'est pas ce que je préfère, mais comme c'est Togashi, je pardonne. Si on regarde bien, qu'est-ce qu'on sait vraiment du Nen On sait comment l'utiliser, on sait pourquoi l'utiliser, on sait comment le renforcer, mais c'est globalement tout. Pas d'histoire, pas d'origine et surtout pas d'une continue C'est comme si une partie de l'histoire a été effacée volontairement ou non. Je pense pas que des personnages auraient volontairement fait ça parce qu'il n'y a pas de réel intérêt. c'est pas comme le circuit de One Piece où là il y a des tabous et autres. Ici c'est plus complexe et plus nuancé. C'est simplement Togashi qui a décidé d'en passer pour le moment et travailler sont parfait un pour parler de la prochaine partie. Un autre point qui explique ce changement de narration, c'est l'arc actuel. Où est-ce qu'on se dirige? Oui, le Dark Continent. Certains ont déjà compris, mais si on se rend de son origine et de ses objets, c'est parce qu'il serait originaire du Dark Continent. Tout ça, tous ses secrets, tous ses mystères, sont enfin révélés une fois arrivés là-bas. C'est une fois sur le décès qu'on va retrouver certains des artefacts, et vis-à-vis -vis de certains personnages, on va en apprendre plus, beaucoup plus sur cet univers. Son évolution au fil du temps, ses limites, certains lieux, objets bourrés on aurait tout. Grâce à des personnages, des découvertes, on a enfin des révélations sur ces intrigues qui commencent un peu à durer. Des anciennes civilisations, des anciens lieux sacrés, des trésors, bref, aurais plein pour cela. En plus, avec tous ces éléments, on pourrait créer des intrigues ou revenir euh, sur l'ancienne intrigue. Il y a un objet qui être dégondre dans son réapprentissage du Nen, un autre qui pourrait décoopperiquer son Empire Time ou encore un autre qui pourrait, bah, comme dit, dépasser les limites de la mort. Bref, c'est beaucoup plus qu'en savoir plus sur le Nen, c'est qu'il y a des vrais enjeux derrière. personne ont des connaissances sur le Nen mais à nous lecteurs, il y a très peu de choses qui ont été révélées. En et Wing, il y a peu de personnes qui sont venues à nous lecteurs, nous donner des informations. C'est maintenant le très bon moment de nous en dire plus sur tout cela. Si je devais parier, je mettrais une pièce sur Kuro, Pariston ou un prince de Kakin. Il y a encore tant de choses à savoir et comprendre sur le Nen. Si aujourd'hui il y a encore tant de mystères dans le manga, il est clair que le tout ce qui tourne autour sont en partie la clé. Grâce à la technique de l'eau. C'est une méthode enseignée dans mon école pour distinguer les types d'aura. Elle peut aussi être utilisée pour s'entraîner. Il suffit d'approcher ses mains du verre d'eau et d'utiliser son rêne. Le changement qu'on observe alors permet de connaître sa catégorie. Voilà, voilà, j'ai fait le tour. C'était une petite vidéo bonus. Je voulais juste mixer uh, ChatGPT, GPT, Hunter, Hunter et voir ce que ça donne. Malgré le côté drôle, je trouve quand même le sujet, ouais, mais intéressant. Dans la théorie selon laquelle les artefacts anciens sont les gardiens ancestrales du Nen, bah ça offre tellement de choses, tellement de trucs. On a une toute nouvelle perspective profonde et fascinante sur l'origine du Nen. Ça souligne l'importance des artefacts anciens en tant que reliques précieuses d'une époque oubliée. Ça donne beaucoup de possibilités pour explorer les mystères du Nen et plus globalement, bah le manga en général. Avec cette intrigue, on pourrait découvrir de nouveaux éléments sur l'histoire et la mythologie d'Hunter Hunter. En somme, c'est la clé de voûte à une nouvelle partie du manga. J'ai quand même euh, rajouté des trucs parce que Chat GPT, je suis mets 20 prompts, il va jamais assez développer, genre il est pas assez euh, calé sur Hunter Hunter. J'ai fait une vidéo sur l'origine Lunaine et en vrai, les deux elles se pas mal, c'est cool. J'ai bien aimé faire ça, c'était vraiment cool, ça change donc euh, pourquoi pas le refaire avec d'autres trucs. Un top, une analyse, autre chose, si vous avez des idées, bah je prends évidemment, me fait peur, à longtemps utilisé pour rigoler sans prise de tête. Sur ce, bah je vous laisse là, partez-vous bien, c'était Ron.